Bonjour. Ah, moi je pète la forme aujourd'hui. Bon, moi ça va, mais c'est pas le cas de mon Bernard. Oh, et puis quand il est malade, c'est la cata. Il est insupportable. Je dois vite trouver comment le soigner. Et si j'allais voir un généraliste? Ouais, bon, c'est un peu conventionnel. Alors, un phytothérapeute? Ça m'a l'air plus naturel déjà. Mais est-ce que ça soigne vraiment une plante? Un aromathérapeute? Ouais, il y aura bientôt plus place sur leur pancarte à ce rythme-là. Un homéopathe. Alors, phyto pour plante, ok. Mais alors, homéo, ça se corse là. Ouh, le sujet a l'air brûlant. L'homéopathe aurait-il du souci à se faire? Et la sorcellerie serait-elle de retour? Ah, un naturopathe. Mais les plantes sont dans la nature, non? Mais alors quelle différence avec le phytothérapeute? Bon, pour faire un choix, quelques recherches s'imposent. À mon tour maintenant de vous éclairer.